Et salut à tous, c'est Steven, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guide dédié à Elden Ring. Donc cette vidéo sera consacrée au boss d'Arwill et à la quête de Blade. On se retrouve sur le lac d'Aguil pour le boss. Au préalable, pour la quête de Blade, il faut vous rendre au bois brumeux, à côté des ruines où vous avez l'ours et que vous avez eu le talisman de la hache. Donc vous entendez des hurlements. Ensuite, une fois que c'est fait, vous retournez à l'église d'Elay où vous allez voir Calais le marchand. Vous lui demandez de vous parler des hurlements de bois brumeux. Il va vous donner l'imote claquement de doigts. Ensuite, vous retournez de nouveau aux ruines et vous claquez des doigts avec l'imote que vous a donné Calais. Ce qui fera descendre Blade du haut de la tour des ruines. Ensuite, il va vous parler de Darwill, donc le fameux boss qu'on va affronter, et il nous demande concrètement de le retrouver pour l'affronter. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez vous retourner ici. Vous allez là où vous aviez les trois soldats. Vous avancez juste derrière et vous voyez les serpents, des espèces de serpents de pierre. Et ici, vous arrivez à une geôle. Donc pour entrer dans le combat, il faut appuyer sur examiner. Voulez-vous entrer dans la geôle éternelle? Vous appuyez sur oui, mais au préalable... je vais vous montrer les équipements que j'ai fait, que je me suis équipé. L'espadon de chevalier en plus 3 avec l'amélioration cri de guerre qui boostera mes attaques. Vous avez l'écu bestial pour me protéger des dégâts de physique à 100%. Vous avez également la panoplie de Kaiden, donc tous les équipements casque, armure, gants et bottes. Je vais m'équiper du médaillon de cri qu'on a récupéré dans la vidéo précédente pour augmenter notre cri. Je vais utiliser la graisse incendiaire ainsi que des viandes de tortue en saumure ainsi que le mélange miraculeux pour récupérer de l'endurance et qui augmente ma force. Alors ça va être un combat qui est relativement facile tout simplement parce qu'on va avoir l'aide de Blade pour ce combat et concrètement il peut le finir tout seul hein, le Darwill. Donc ce qu'il faut faire attention c'est à ces attaques qui sont vraiment très rapides et c'est un boss qui est très mobile, donc faut vraiment faire attention à ça. N'hésitez pas à porter votre bouclier à garder pour éviter qu'il vous mettent des coups venus de nulle part. Il est sensible aux attaques de foudre. Malheureusement, nous, on n'en a pas pour le moment. Et c'est à peu près tout. Il est légèrement résistant aux attaques, toutes les attaques physiques, sauf les attaques des stocks. Voilà, c'est tout sur le boss. Donc, pour le faire apparaître, vous allez vers la partie violette. Je vais déjà utiliser mes petits boosts. Ça devrait très bien se passer. Donc pour débuter, je prends mon arme à deux mains. Une attaque chargée. Une attaque normale. Je recule. On en profite. Déjà, il a déstabilisé. Vous voyez, hein, ça se fait bien. Hein. Et voilà, c'est fini. Et ce qui nous permet de récupérer le croc du limier qui est l'une des bonnes armes de Elden Ring. Une fois que vous l'avez battu, vous sortez de la geôle et vous pouvez parler à Blade qui vous permettra de récupérer une pierre de forge sombre de niveau 2. Donc ça c'est super pour améliorer les armes uniques, comme notamment le croc du limier qu'on vient de récupérer. Donc c'est vraiment une très bonne arme qui a un moveset
plutôt classique, mais c'est plutôt sa cendre de guerre unique qui est intéressante. Je vais vous montrer. Donc, vous faites un saut comme ça. Et si vous enchaînez par une attaque puissante, vous revenez sur l'adversaire. Donc, ce qui est vraiment très puissant. Et c'est une arme qui fait vraiment des très bons dégâts. Bon, malheureusement, ça, ça marche pas dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le montrer rapidement sur les petits fantassins qui sont ici. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même changer de cible entre la première attaque et la seconde. Par exemple, là. Bon, là, comme j'ai pas les stats pour vous montrer les. Pour faire des dégâts, forcément, ça fait pas énormément de dégâts, mais c'est vraiment une arme très très puissante. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, ça ferait avancer un petit peu la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut à tous, c'était Sivan.